Alors, vous vous installez confortablement et vous laissez les paupières descendre sur les yeux. Pour permettre au regard de se poser, de se reposer. Puis lentement, bien confortablement installé, vous allez laisser votre corps prendre toute sa place, toute son aisance. Voilà, c'est bien. Et doucement, vous allez permettre à la respiration de donner peu à peu toujours plus d'espace à l'intérieur de vous. Et dès l'enfant que vous étiez, que vous êtes devenu, celui qui vit en vous, à réaliser ses rêves, à se réaliser et à mettre en action tout ce qui est toujours possible, sans frein. En laissant de côté le regard des autres, les pensées de chacun. Soyez vraiment vous. Avec l'expérience de la personne que vous êtes aujourd'hui et la fantaisie, l'humour, la joie de l'enfant que vous avez gardé en vous, bien au chaud, pétillant. Et osez le faire vivre, cet enfant, dans sa peau d'adulte. Et voyez comment il savoure. Tous ses souhaits, toutes ses intentions. Tout est possible. Laissez-le prendre toute sa place en vous. Qu'il ne soit pas confiné dans un coin ou serré dans votre cœur, dans votre ventre. Laissez à cet enfant, devenu grand, tout l'espace qu'il mérite. Puis mettez-le en lien avec votre cœur, ce cœur qui anime toute la vie, ce cœur chaleureux, puissant, tendre, câlin, courageux, ce cœur qui peut être tout feu, tout flamme, puis tout timide. Mettez-les en lien de cœur à cœur
comme un cadeau que vous vous faites. Offrez-vous cet amour à l'unisson, cette vibration de bien-être, de confiance, cette rencontre. Comme si votre enfant intérieur pouvait caresser votre cœur, le cajoler, lui faire des câlins, l'embrasser, pour le réconforter, lui redonner son élan, sa place. Et ce nouvel espace donné au cœur procure une sensation, une nécessité de soupir afin de créer encore plus d'ouverture, d'espace en nous. Éveillez votre conscience comme si vous acceptiez aujourd'hui d'ouvrir des petites boîtes ou des tiroirs que vous auriez condamnés à certains moments de votre vie. Aujourd'hui, certaines peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à vous autoriser la curiosité. Tout cela vous appartient. Peut-être avez-vous mis de côté les choses que vous auriez aimé faire, vivre, partager, des rencontres que vous souhaitiez aller encore plus loin. Ouvrez chacun de ces tiroirs, chacune de ces petites boîtes. Découvrez des petits mots, des petits papiers que vous allez déplier pour découvrir des mots, des pensées, des choses qui vous ont touché, que vous avez oubliées, mais qui sont vous. Et choisissez celles que vous avez envie de faire vivre, de prendre dans vos bras, dans votre cœur, de poser sur votre ventre, comme un enfant qui vient de naître. Redonnez-leur la vie. Autorisez-vous à être authentique. Soyez inédit, unique. Vous ne ressemblez à personne d'autre.